Yo tout le monde, ici Monsieur Boss Minecraft Nat, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto d'un bâtiment. Cette fois-ci, après avoir construit une maison, la maison du lac, cette fois-ci on se retrouve pour un nouveau bâtiment. Et cette fois-ci, je pense que certains l'auront deviné, il s'agit d'un phare. Alors bien sûr, nous commencerons la vidéo par une petite inspection du phare, sa construction. Et puis on revient à la fin, une sorte de petite... bande annonce, comme ça, une prévision de sortie pour l'immeuble qui se situe juste ici. Ce sera en mode playlist Minecraft la maison. Ce sera en fait le premier immeuble avec un peu les, comment dirais-je, les matériaux de qualité moderne. Alors aujourd'hui, on va se concentrer plus particulièrement au phare. Alors comme vous pouvez le voir, le phare mesure, je crois, une trentaine de hauteur. Entre le premier, entre, oui, une trentaine, entre le premier bloc et le dernier bloc qui se situe tout en haut. Alors si on ne compte pas bien sûr les deux petites barrières que j'ai mis tout en haut, donc ça fait une trentaine. Alors vous pouvez apercevoir comme ça que, alors vous pouvez apercevoir que le phare est assez moderne. Mais dans le texture Minecraft, le phare est assez moderne. Mais si vous prenez par exemple le pack de texture Moirtex, vous verrez que le phare n'est pas du tout le même. C'est ça reflète un peu plus l'image Moyen-Âge un peu. Donc du coup, au départ, je voulais faire un craft du style Moyen-Âge, enfin un phare du style Moyen-Âge, mais je n'avais pas le pack de texture requis. Alors c'est pour ça que je vous conseille, pour cette construction, de télécharger ce pack de textures. Alors vous pouvez voir, alors vous pouvez apercevoir que ma ville a grandement gondré, enfin ma ville, les composants de ma ville. Comme par exemple, j'ai rajouté mon tuto de boucherie. C'est un peu, non, ce n'est pas vraiment une tuerie à mobs, c'est en fait une sorte de machine à destruction de monstres de pour la nourriture. Par exemple, vous pouvez apercevoir ici la lave. Juste sur le côté des petits blocs d'herbe avec des pistons. Et là, par exemple, voilà un exemple. Voilà, et je ne sais pas si vous avez vu. Le cochon, il a spawn. Juste au-dessus du piston, il y a en fait... ah bah, vous voyez la vache qui vient de spawn. Juste... oui, juste au-dessus du piston, il y a... un truc de spawn. Alors, j'ai mis un de cochon et une de vache. Pour que ça fasse la paire. Voilà. Alors après, c'est relié à un système de redstone. Voilà, vous pouvez facilement. Alors ce tuto est bien sûr disponible. Pardon. À voir sur ma playlist. Mais pour l'instant, on va se concentrer aujourd'hui pour le phare. Et puis vers la fin, on essaiera de se faire une petite bande-annonce. Enfin, voilà, on va dire la bande-annonce. Pour voir l'intérieur et l'extérieur. Alors je peux juste vous préciser que mon bâtiment, l'extérieur est terminé. Mais l'intérieur reste beaucoup de travaux. Alors, on va mettre en jour. Alors, pour aujourd'hui, nous aurons besoin de pierre taillée. Enfin, pour la structure, de pierre taillée, de pierre, de laine blanche et de laine rouge, une plaque de pression de bois et de pierre, des portes. Alors, j'hésite entre mettre une porte en fer et une porte en bois. Donc, on va mettre une porte en fer. Des vitres, et puis je pense que pour ceci, ça ira. Alors, juste, oui, nous allons faire un, alors, je vais vous faire un petit contour. Donc, vous pouvez apercevoir le phare sous ses angles. Ah, il y a eu un petit problème là, ici. Alors, attends, si ça se finit par un rouge, c'est-à-dire que juste en dessous, ce sera un blanc. Voilà. Donc vous pouvez apercevoir le phare de la façon extérieure et puis là nous allons rentrer à l'intérieur. Alors j'ai mis une porte en bois et voilà un peu l'intérieur. Alors c'est un phare qui n'est pas automatique, ça veut dire que la lumière n'apparaît pas tout seul la nuit. C'est un système de glowstone avec devant une fenêtre pour voir la lumière. Voilà, ce n'est pas un phare habitable même si je sais qu'on peut avoir la place d'y mettre des choses. Ah, et oui, et j'ai oublié aussi un peu de torche aussi. Voilà, donc j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Voilà. Après, c'est vrai que vu la place qu'il a, merde.
Ouf, le bug. Après, le problème, c'est que vu la place qu'il a, je pense qu'on peut l'habiter, mais je n'ai pas eu l'envie. Voilà. Aujourd'hui, les phares, c'est des phares construits sans habitation. Avant, oui, mais aujourd'hui, non. Alors, la structure, la base de ce phare sera ceci. Une sorte d'étoile en forme avec trois cubes. Comme ça. Ensuite, en diagonale, deux cubes comme ça. Une autre diagonale en cube droit. Et comme ceci. Voilà. Vous avez juste à reproduire comme ceci. Voilà, une petite capture d'image comme ça pour apparaître. Voilà. Alors, ensuite, quand c'est fait, on va placer les blocs qui monteront jusqu'au 20e étage. Donc, du coup, si je me souviens très bien, oui, il y a les blocs qui sont ici. Enfin, le bloc, un milieu ici. Un bloc ici. Un bloc ici. Et un bloc ici. Et je crois que sur les techos comme ça. Oui, ça passe très bien. Voilà. Alors, on va monter jusqu'au 20e étage. Ça veut dire qu'on va faire une base de 20. Donc, une. 4, 5, 6, merde. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Putain, mais ils ont quoi? Tout cassé. Alors, on va voir si c'est juste parce que je pense qu'il y a eu des petits bugs. Juste comme ça. Alors, 2, 3, 4, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je crois qu'il y en a. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Ouais, il y en a deux en trop. Voilà, alors je mets les torches comme ça, mais c'est juste pour m'aider à faire des repères, hein. Vous aussi faites pareil que moi. Alors, on va monter au même niveau. Là,
Voilà, alors des fois je ferai des petites coupures de micro comme ça pour passer le temps. Alors après on va rajouter la laine. Donc j'ai fait comment oui. Donc vu que c'est un nombre pair, si on commence par 2 de blanc, la face se finira par 2 de rouge. Et on fait ça tout le long de la structure. Voilà, alors en fait j'ai oublié de vous préciser qu'en fait ce ne sera pas un nombre pair, mais en fait ce sera un nombre impair en fait. Donc du coup en haut rajouter encore juste un cube comme ça. Donc ensuite on commence. Alors je suis très content parce que j'ai atteint la barre de plus de 15 abonnés. Bon 16 là approximativement. Alors je me suis dit pourquoi pas à partir de 50 abonnés faire une petite aventure. En survie, enfin une aventure, une map aventure, lorsque j'aurai atteint la barre des 50 abonnés. Alors j'ai réfléchi à cette map et je me suis. Je vous la dirai pas tout de suite, je vous la dirai lorsque j'aurai assez d'abonnés. Oh, attends, juste le soleil vite fait. Voilà. Alors après, si vous avez des maps à me conseiller qui seraient assez cool, franchement, je serais content de les savoir. Alors par contre, il faudrait qu'elles soient téléchargeables assez facilement parce que j'ai du mal à télécharger avec ce Minecraft. Bref. Je suis aussi très content de savoir que beaucoup de gens aiment mes tutos. Ça me fait plaisir quand il y a un commentaire qui me dit continue, c'est bien. Un j'aime, un like. Ça me fait plaisir. Et bien sûr, je continuerai jusqu'à que j'arrive à faire une grande ville dans un serveur. Alors en fait, mon plus grand objectif, enfin mon plus grand rêve dans Minecraft bien sûr c'est de faire un serveur dans une grande ville dans un serveur, mais mes plus grands objectifs c'est de faire un grand stade de foot. Oui, avec les gradins, vous savez, comme du genre le Camp Nou, etc. Alors le problème c'est que dans YouTube, il y en a qui l'ont fait sauf qu'ils présentent leurs œuvres. Et encore je sais même pas si c'est eux qui l'ont fait ou ils l'ont téléchargé. Bref, voilà. Donc du coup ouais j'aimerais bien faire ceci. Oh putain merde, la musique. Excusez-moi. Oui, donc voilà. Donc j'aimerais bien le faire, que ce soit le terrain, les gradins, etc. Construire un grand monument, que ce soit la tour Eiffel ou même des monuments de films, la tour Stark par exemple, etc. Voilà. À peu près ça. Alors je crois que j'ai tout dit. Voilà. Alors, en reparlant de l'immeuble que j'ai fait, ça m'a pris 2 jours. 2 jours pour le faire, pas en non-stop hein, bien sûr, hein, j'ai disons chaque après-midi de ces 2 jours. J'ai passé toute une après-midi à faire ça. Donc du coup, ouais, c'est beaucoup de travail, sachant que je ne l'ai même pas encore fini. Il me manque l'intérieur à essayer d'accueillir les gens. Alors après, c'est vrai que les gens, lorsqu'ils vont aménager, c'est eux qui achètent les meubles, donc du coup, je ferai juste installer les murs. Eh merde, il pleut. Bon, c'est pas grave, hein. Ça éloignera les Enderman.
J'évite là de faire tomber la pluie parce que qui dit la pluie me dit bien sûr des orages et 80% de mes constructions sont faites à partir de bois. Donc vous voyez un peu le signe un peu catastrophe si des fois un éclair devrait tomber sur du bois. Enfin, sur le bois de l'un de mes bâtiments. Voilà, et on a bientôt fini. Ah. Voilà. Voilà. Alors en haut, si je me souviens bien, quand vous avez fini, vous remettez une rangée de blocs. Alors je me suis demandé, là, pendant la coupure. Ah non, en fait, c'est pas vraiment fini. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai juste à rajouter ça. Alors je me suis demandé si il était mieux de mettre des dalles en pierre à la place de la pierre taillée. Je me suis posé cette question. Et donc du coup, ouais, donc ah, bah là c'est un peu trop tard. Mais la prochaine fois, ouais, j'essaierai de réfléchir la prochaine fois que je ferai ce genre de tuto. Voilà. Alors voilà, donc on va créer l'entrée. On va faire une sorte de petite entrée assez amicale. Alors, donc du coup, on va casser les blocs qui sont là. Voilà, on va mettre la porte en fer. Enfin, là, on va mettre. Juste, on va enlever ça. Donc, on n'a plus besoin. On va mettre un rondelin. Voilà. Alors ensuite, pour créer une entrée sympa, vous mettez trois blocs comme ça, deux blocs et un bloc, comme une sorte de pyramide. 3, 2, 1. Et ensuite, vous prenez des escaliers en pierre taillée. Et vous remettez par-dessus. Et là, vous mettez un essai comme ça aussi. Alors ici, on va juste mettre un truc comme ça. Voilà, et puis sur le dessus. Comme ça aussi. Voilà. Alors les torches, on va les rajouter sur le teco comme ceci. On va en mettre comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Alors après, je casserai les torches qui sont là. Voilà. Alors ici après on va faire une sorte de petite entrée en pierre qui va permettre de cacher en fait un peu la... C'est moi ou quand j'ai posé la truc? Ouais, il y a une... Ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors après ici on va... Donc j'aurai plus besoin de ceci ni de ceci. J'aurai juste besoin de beaucoup de ça. Voilà. Et puis on va mettre ça ici, et puis on va enlever ça. Donc après on va faire un petit parquet en bois de bouleau, je crois. Oui, c'est du bois de bouleau, oui. Ah oui, et comme dernier objectif, voilà, je viens juste d'y penser, c'est de faire un casino. Le bâtiment plus les jeux. Alors si vous avez des petites astuces ou des conseils à me donner ou même des vidéos, je peux tout est à prendre comme on dit.
Et voilà, je prendrai tout et j'essaierai d'y réfléchir avec un bon tuto. Alors en parlant du phare, au départ je voulais mettre de la dalle en pierre, vous savez, le double dalle en pierre. Mais il était trop tard pour que je puisse remplacer tout ça par la barre, sinon le tuto aurait duré trop longtemps. Voilà. Alors après on va remettre bien sûr de la lumière. Et non, on va pas mettre comme ça, on va mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Bah c'est bien. Donc on a fait la structure et la base. Et donc maintenant, on va se consacrer au toit. Donc pour le toit, oui. Ah oui, et on va juste mettre les fenêtres. Donc une, deux, trois, voilà. Alors, une, deux, trois. À partir du quatrième bloc, on casse tout. On rajoute trois blocs comme ça. Et on met une petite fenêtre. Attends, si j'ai bien fait. Ah merde. Bon, c'est pas grave, hein. On va juste rajouter un bloc ici. On va rajouter la fenêtre ici. On va rajouter le bloc ici. Et puis ici, on va rajouter la laine blanche. Voilà. Je me suis même trompé ici. Putain. Voilà. Ah, voilà. Alors quand tout ça est fini, on va pouvoir faire la structure. Alors pour la structure, on aura besoin pierre taillée, escalier de pierre taillée, de barrière, de glowstone, de ceci. Et de petites dalles en pierre. Et puis je crois que c'est bon. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Oui, ok. Alors ensuite, on va rajouter une petite décoration, c'est-à-dire qu'on va mettre trois blocs comme ça. Un bloc, un escalier, voilà. Un bloc, escalier, bloc. Trois escaliers. Un bloc, un escalier, un bloc. Escalier, bloc. Escalier, escalier, escalier. Bloc, escalier. Bloc. Escalier, bloc. Escalier, escalier, escalier. Bloc, escalier, bloc. Escalier, bloc. Comme ça, voilà. Ah, le jour. Voilà, comme ceci.
Ah oui, je l'ai mis le jour. Ok. Alors ensuite. Alors ensuite, si je me souviens bien, attendez. Voilà, oui. Alors du coup, on remet une rangée comme ceci. Voilà, comme ceci. On va en profiter pour creuser, pour fermer le trou qui est là. Voilà. Alors ensuite, on va rajouter des escaliers comme ça. Donc vous rajoutez un escalier comme ceci. Enfin, bloc quoi. Pardon, pourquoi j'ai dit escalier? Je sais pas pourquoi. Voilà. Et puis on va casser juste. Alors, attendez. Ah oui, on va en profiter en fait pour ajouter ensuite. Pour ajouter les barrières. Vous comprendrez pourquoi j'ai rajouté les barrières. Ça va nous aider à faire le haut. Voilà. Et donc du coup, tous les objets qui ne servent pas à grand-chose, on casse. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va tout mettre avec une pierre, comme ceci. Voilà. 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 Alors donc en fait, ce sera la base pour mettre ensuite le bois qui est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ok, 7. Dak Kodak. Donc du coup, on va remplir une rangée de bois comme ceci. Voilà. Donc après, on va 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors en fait, on met juste les blocs de bois sur le côté de chaque côté de diagonale comme ceci, de chaque côté vertical comme ça. Non, pas comme ça. Voilà. Voilà. Alors quand ceci est fait, on peut mettre glace. Donc deux glaces, un bloc et deux glaces. Alors j'ai pas vu si ici il faut fermer. On va voir ailleurs parce qu'il y a eu un bug. Oui, d'accord. D'accord, ok, donc c'est bon, j'ai... Ah putain. D'accord, j'ai eu ma réponse. D'accord, donc du coup, en haut, on va aussi fermer comme ceci. Ah bah cool, non? Voilà comme ça. Comme ceci. Et puis comme ceci. Voilà. Alors ici, on va faire exactement pareil. Ça veut dire qu'ici, on va faire partout pareil. 2. Un bloc. Et puis deux. Bien sûr, il m'a été semblé judicieux de faire une vidéo juste avant que je parte en vacances. Au moins, je ne perds pas beaucoup d'abonnés et en plus, je gagne des vues durant les vacances. Alors, bien sûr, pendant les vacances, j'essaierai de faire d'autres vidéos, mais le problème, c'est que je dois réviser pour le brevet et ça va être chaud. Mais vivement les vacances d'été où je pourrais faire presque ce que je voudrais. Bien sûr, si avant le brevet ou même les vacances d'été, on arrive à 50 abonnés, je vous fais tout de suite la vidéo de félicitations de mes 50 premiers abonnés. Et je suis déjà très content d'avoir pour, je crois, une dizaine de vidéos, 16 abonnés. Ah, pardon. Donc du coup, on va rajouter un... Oui, c'est bon. Voilà.
Alors ensuite, ici, on va recouvrir le premier. Voilà, et puis on va ajouter, que dites-vous de la glowstone? Voilà. Ici, on va remettre encore une petite. Voilà. Et puis, on va remettre encore une tournée. Voilà. Alors c'est à partir d'ici qu'on va commencer un peu la construction assez chaud. Mais tout d'abord, on va rajouter les barrières. Aussi, ça aussi. Donc du coup, on va aussi rajouter. Donc avant, on va rajouter ceci. Voilà. Alors ensuite, on va prendre les barrières. Donc, on va augmenter de. Non, une. Alors, je crois. C'est une, deux, trois, quatre. Ok. Donc, une, deux, trois, quatre. Une. Voilà. Ensuite, là. Voilà. Juste regarder quelque chose. Oui, c'est bon. Voilà. Alors ensuite, on va prendre Ah oui, pas. Oui. Alors en fait, juste pour le côté-ci, on va rajouter trois escaliers pour chaque côté comme ceci. Et puis avant, on va aussi rajouter. Comme ceci. Et puis là, on va continuer à faire. Il y a de quoi faire quand même dans ce phare, hein. Putain. Putain.
Voilà. Et puis aussi, on va commencer, je crois, à rajouter. Alors, je crois que c'est. Alors, oui. Alors, c'est trois escaliers, un escalier, un bloc, un escalier, trois escaliers, un bloc, un escalier, et trois escaliers. Et après, vous faites pareil. Alors ensuite, à chaque fois, on remplit le. On refait une sorte de. De couche comme ceci. À chaque étage. Qui va permettre de nous aider à. À faire la construction. Alors là, ici. Ah, et puis on fait comme on veut quoi. Voilà. Puis on continue. Hein. Alors ici, je crois qu'on va rajouter juste un bloc. Wow, il s'est passé quoi là? Ah, alors j'ai oublié un bloc là. Voilà. Ici, on va refaire. Alors, comment j'ai fait pour réussir à casser ça comme ça? Franchement. Voilà, et puis je pense qu'on va finir. Comme ceci. Et ben on va juste finir juste avant la nuit. Et voilà. Alors non, je crois que j'en ai rajouté 3. Et voilà. Voilà. Votre phare est maintenant terminé. Alors, bien sûr, on va essayer de rajouter un peu de luminosité. Dans votre phare. Alors, moi, mon phare, je l'avais appelé le phare d'Illumis. Alors, après, à vous de trouver les noms. Alors le problème c'est que je vais pas trouver un nom là maintenant parce que le problème quand je refais une œuvre comme ça, je la détruis après le tuto. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas vraiment beaucoup d'importance.
Voilà. Votre phare est terminé. Alors, j'ai fait combien? 46 minutes? Waouh! Ah ouais, j'ai vraiment le temps de vous montrer ma création. Alors, je voulais juste vous dire au départ qu'en fait, ceci devait être une tour d'observation. Oui, je vous assure que tout ceci devait être au départ une tour d'observation. Mais avec sauf que je me suis trompé dans les proportions. Et donc du coup, eh ben ça ne l'a pas vraiment trop fait. Alors j'ai mis de la lumière un peu partout, c'est que le problème c'est que les monstres spawnaient à chaque fois. Donc c'était un peu dommage. Alors voilà le premier. Alors voici là, les étages sont tous les mêmes. Hein. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire que je vais casser deux entrées. Et puis à la place de ces deux entrées, je vais mettre des boîtes aux lettres, des espèces de boîtes aux lettres. Façon moi. Voilà. Alors ici vous pouvez apercevoir, ça aurait été bien de faire comme ça. Ça. Et puis ici on met des portillons. Bon bah du coup on peut tout enlever ça. Ouais, des petits portillons, t'as vu. Ouais, ça peut être intéressant comme ça. Ouais, pour tout le temps rajouter un peu de lumière, quoi. Pour dire, voilà, je te rajoute un peu de lumière. Voilà, donc en fait, les étages sont tous les mêmes. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Ah oui, là, c'est vrai que c'est vraiment chelou. Alors, on va voir le balcon un peu. Voilà, donc le balcon ressemble un peu à comme ça. Donc, en fonction du balcon que vous avez, bien sûr, le meilleur balcon serait là-bas avec la vue complète. Bon, là, on peut aussi voir le village qui est assez en catastrophe, qui a été placé en catastrophe naturelle par moi. Et puis on va voir aussi le troisième étage. Voilà, et puis le dernier étage. Alors après, je rajouterai une sorte de petite passage, passerelle de secours pour aller sur le toit si des fois il y a un incendie. Voilà. Alors après, mes consignes. C'est qu'en fait, merde. C'est qu'en fait, je vais rajouter de l'eau en dessous. Et puis, si les gens, il y a un incendie, soit ils sautent par-dessus le balcon et ils atterrissent dans l'eau, soit ils vont au-dessus du toit. Mais je vois pas comment il aurait pu avoir un incendie. Mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, vous avez vu une sorte de petite bande-annonce. Donc, la vidéo aura duré une cinquantaine de minutes et je suis assez fier. Alors oui, je crois que la ville c'est par là-bas. Alors on va juste faire une petite aperçu de ma ville pour certains qui ne la connaissent pas. Donc vous avez le phare. Ici vous avez la banque. Ici, vous avez la maison du bûcheron. Ici, vous avez la boucherie avec derrière le système de tuerie de cochons, etc. Ici, vous avez le petit parc pour un niveau que j'ai fait vite fait. Ici, vous avez la tour de défense avec les canons. Ici, vous avez la maison du lac. Et ici, vous avez le moulin. Ici, vous avez le phare. Et ici, vous avez l'immeuble. Alors après, il manque deux bâtiments que je n'ai pas eu le temps de construire, mais qui sont dans la playlist. Voilà. Alors notre tuto s'arrête enfin avec cette petite image de villageois et de... Voilà, de villageois. Simple. Voilà. Alors sur ce, c'était Monsieur Boss Minecraft Net qui vous a présenté un nouveau tuto sur Minecraft et qui vous dit à plus.